Assalam la famille, ça va aller comme. Quand je suis revenu à l'endroit, les gens ils ont aimé ma vidéo. Je remonte la vidéo. Donc on reconnaît. On va pas nous dire que ça vient de la désaiderie, ça. Hein. C'est bien de chez nous. D'accord. Donc je vous remontre ce que je vous ai montré l'autre fois. Par contre, je vais vous montrer autre chose. Je vous montre ça. Donc c'est un jardin, terrain de foot, terrain de basket, blablabli. Place d'Oujda. Parce que la Oujda elle est jumelée avec l'île. Ok. Donc là ça. Mais maintenant je vais vous montrer un truc. Les haineux. Vous allez voir les haineux c'est quoi. Les vrais haineux. La haine, mais quand t'as dit ça suinte la haine. Ça t'en veut parce que tu es marocain. Regarde la haine. Regarde la haine. Tu la vois la haine celle-là ou pas? Regarde place d'Oujda, tagué en noir. Parce qu'ils peuvent pas. Et je te jure qu'elle est au moins à 3,50 m la truc. La plaque elle a 3,50 m, ils sont partis la mettre en noir. Tellement ils ont la haine. C'est un truc de fou quand même. Là, place d'Oujda, non, c'est pas place d'Oujda. Truc de ouf. Bon, là, c'est jaloux. Regarde la taille du truc. Hein. C'est-à-dire, là, il y a un mec qui est monté sur les épaules d'un autre mec pour taguer en noir Oujda. Tellement la haine. Là, on va continuer. Je continue de l'autre côté de la place. Le terrain de basket, les jeunes qui jouent. Je vous montre, hein. C'est signé en plus, c'est ça le pire. Regarde la haine, ceux qui sointent la haine, ceux qui vous disent les frères. Regarde. Encore une fois, place d'Oujda. Ils ont écrit place de bisque, comme bisque rasa, moi, tu vois. Voilà, pour que vous compreniez à qui on a affaire. D'accord. Donc les frawa khawa de balle, à un moment, il faudra vous rendre compte que c'est pas vos khawa khawa. C'est tout ça, vos khawa khawa. Enfin, bref, on en a marre de vous le dire. De toute façon, vous ne comprenez pas, donc tant pis pour vous. Allez, à bon entendeur. Hein.